Ouais, le père de Falé, comment tu vas? Mais c'est toujours la maison des artistes, c'est normal. Hein. Ouais, ça va, Mimi. Voilà. Non. Il parle de dans son portable. Moi, même tout à l'heure, pendant qu'on était en train de préparer, je voyais que le gars, il a une bague de fiançailles de femmes sur son doigt. Bon, tu sais, c'est ça qui est votre problème. Il m'a dit qu'on lui a demandé en fiançailles. C'est ça que votre problème ici, c'est ça. Non, le problème, c'est ça. Parce que quand vous avez vu. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas, en fait. Quoi? Vous avez. Je sais pas comment vous faites pour pouvoir atteindre les gens qui n'ont pas envie de parler. Non, c'est défalé. Vous invitez pas les gens pour pouvoir quand même parler de leur vie. Voilà, ici c'est une maison de télé, non? Non, attends, c'est une maison de télé. Donc on invite un artiste. Pour moi, c'est de la carrière de l'artiste. Tu viens de commencer quelque... Non, oui. C'est défalé. Tu sais, Mimi. Écoutez, on n'est pas venu ici pour se discuter. Voilà, on a la télé, on est venu se faire comprendre, se faire entendre et se faire bien comprendre. Vous invitez Pancho de Gâté, célèbre actrice, acteur, humoriste, influenceur. Donc quand vous m'invitez, quand vous m'envoyez un message, vous m'appelez et qu'on a besoin de toi à la télévision. Pour moi, quand je me déplace, c'est de parler de ma carrière. Je suis... Non, attendez, je suis fiancé. Je suis marié. Mm-hmm. Tu as vu une photo de temps en temps. Ça, ce n'est pas ton problème. Oui, mais mon problème. Attends, non, ce n'est pas ton problème. Grave, c'est comme ça que vous faites. Et puis maintenant, après, quand il arrive vers vous, vous dites que non, que bon. Voilà, c'est comme ça. Un moment là, vous avez arrêté de m'inviter ici. Voilà. Surtout toi, Mimi. Vous avez arrêté de m'inviter ici parce que vous avez trouvé que non, que moi, voilà. Moi, je lève. Voilà. On n'a qu'à inviter. Moi, j'ai parlé de la photo des enfants pour voir. Mais c'est depuis qu'on vient ici, quand tu me poses la question, c'est moi qui demandé. Aide-moi de demander tes enfants. Mais c'est le bon. Voilà. Voilà. Voilà, c'est le problème là. Moi, je ne mélange pas mes enfants à mon travail. Non, tout à l'heure, tu as vu une photo, tu as vu un enfant. Tu as commencé à... Qu'est-ce que tu disais, tu as passé à côté. Non, arrête, ça grand, faut arrêter. Tu sais que moi, ma vie sur les réseaux sociaux, là, tu connais. Tu as commencé à dire, demain encore, donc commencer à fouiller dans ma vie, pardon. Mais personne n'a
Non, Mimi, je vous demande pardon. Mais vous êtes ces garçons. Non, moi, parfois, souvent, quand vous m'invitez là, mais moi, je sais plus, j'ai peur. Non, mais pourquoi tu parles de ta vie là? Pourquoi ta vie est penchée pour dire? Ma vie n'est pas penchée. Non, Serge, tu m'as invité. Oui, hein. Bon, il y a mal placé mon téléphone, tu as vu un beau bébé. Oui. Maintenant, tu veux rentrer là-bas. Non, c'est un garçon, c'est un garçon. C'est un garçon. Non, c'est un garçon. Non, pardon, c'est un garçon. Ah, on a qu'à s'arrêter là. Mimi. Il y a combien de mois déjà? Mimi, pardonnez, arrêtez ça. L'enfant, combien de mois? Non, je ne peux pas venir, je ne peux pas. Tu peux payer habite l'enfant? Non, tu peux payer ça en coulisses. Je ne peux pas venir donner le mois de mon enfant ici, non. Bon, ok, là-bas. Voilà, moi, je ne connais pas mes ennemis. Tu as ton doigt là. C'était pourquoi? Non, en fait, c'est la bague. Tu portes une bague de fiançailles des femmes. Non, c'est la bague que j'ai achetée pour donner à ma femme. C'est ça, bon. Non, il n'a pas récupéré. Non, n'est pas en discours. J'ai voulu juste porter pour faire plaisir à mon doigt, c'est tout. Donc, vous allez porter ça. Mais j'ai enlevé cette avis. Je connais votre bouche, j'ai enlevé. Mais moi, j'ai vu. Vous savez que moi, j'aime pas qu'on expose trop ma vie sur les réseaux sociaux. Je ne mélange pas les choses. Évitez un peu ma bouche. Pardonnez. Vous me connaissez? Ah. Non, Mimi, toi, tu me connais? Toi, c'est devant vous, me connaissez. C'est quoi vous voulez voir? Mais après, quand tu parles que non, c'était sur ta femme, ça t'a plu, tu as pu porter. Donc demain, un jour tu peux porter ta perruque, un jour tu as porté ton caleçon, mais si un jour tu as porté ton soutien pour sortir. Non, je suis un comédien. Il faut comprendre ça à la base. Voilà, je dois créer des contenus pour faire rire la population. Donc si il a porté, c'est pas il a porté que tu as vu, non? C'est à cause de ça que tu es en train de parler de ça. Sinon, dans ton projet d'émission, là, est-ce que c'était la bague? Je commence à m'inquiéter pour toi. Tu t'inquiètes pour moi? Non, faut pas t'inquiéter pour moi. Moi, c'est déjà prêt dans la tête. Tu sais, moi, mes amis, il faut parler au vieux père de Fali. Non, pardon. Non, la dernière fois, il a commencé un truc ici. Moi, j'ai vu les commentaires. Pardon. Non, grand père, pardon. Grand père, pardon. Non, il n'a qu'à arrêter. Moi, il a des questions que moi, il me pose. Moi, ça rentre trop dans mon sac. Non, on n'a qu'à éviter. Tu vois comment il a commencé tout à l'heure? Non, c'est pas bon. On n'a qu'à aller. Non, on n'a qu'à aller droit au but. C'est de parler m'envoyer un message pour dire que Pancho, on t'invite à Fafa pour qu'on puisse parler de sa carrière. On n'a même pas commencé à parler de ma carrière. Elle est sortie là-bas. Non, la lionne, en fait, c'est ma bonne petite. Suzy la lionne, c'est ma fille, en fait, c'est depuis le Cameroun. Voilà. Ah, c'est ma fille, hein. Non, c'est la chaise qu'elle a, sinon c'est ma fille. Sinon, c'est ma fille. Je dis que c'est ma fille. Elle c'est a ma... dit que tu es ton frère. Toi, tu veux parler de fille. Elle a dit que c'est ton frère, non? Oui. Voilà, maman, c'est ma fille. Mais attends, comment elle peut être toi, ton frère, et puis toi, elle est toi, ta fille. Non, tu sais que je sais ce qu'on appelle le continent, tu connais. Non, ça va. Ok, est-ce que tu n'as pas besoin de deux choses différentes comme ça? Bon, ok. Vous voyez, bonjour. Non? Vous voyez, vous avez, Suzy est venue, si vous avez posé des questions, elle a dit que c'est son grand frère. Voilà. Maintenant, vous voulez rentrer dans les choses que moi, je ne comprends pas. Vous rentrez par où? Tu es ton frère d'où? Moi, je suis son grand frère. Non, moi, je ne suis pas Bamileke. Voilà. Je ne suis pas Bassa. Moi, je suis un Ivoirien. Voilà. C'est que l'enfant qu'il y a eu avec eux. Avec elle? Non, il ne faut pas faire ça. Il y a eu l'enfant avec eux. Un membre de ta famille? Non, eux. Quand dit eux, je parle pas les Camerounais. Ouais, les Camerounaises, voilà. Cet enfant-là me crée des problèmes. Tout le temps, quand vous m'invitez, il vous a fait quoi, cet enfant-là? Mais on aimerait le connaître. Non, vous allez le voir, Donc, c'est un garçon? Hein? Non, j'étais à Monaco, non. J'étais allé le voir. Moi, je ne peux jamais cacher mes enfants. Mais en fait, le problème avec moi, je ne veux pas... c'est-à-dire que mélanger le travail avec mes enfants. Même si la photo, tu l'as montrée, pourquoi on te pose question, toi-même, tu es rentré dans ton garçon? Non, Mimi, c'est pas ça. Tu sais, moi, je t'ai jamais posé une question que Mimi, qui est ton gars? Qui est ton enfant? C'est des choses qui... Non, mais c'est des choses qui... Non, mais ici, même là, ici, là, les choses qui sont privées, les choses qui sont privées, vous, là, vous faites sortir. Chez Mimi. Non, Mimi, la dernière fois, moi, il a vu quelque part là-bas. Il m'a vu. Oh, un choc qu'on appelle Coco Vico ici. Moi-même. Ouais.
Non, tu sais, moi, il me connaît. Hein. Moi, il me connaît. Quand moi, je vais faire les mouvements, moi, il ne me cache pas. Mimi, c'est une soeur. Voilà. Elle n'a qu'à faire son animation, avancer. Voilà. Moi, là, dans mon passé, ce qu'il a fait, là, il a déjà dit que j'ai fait. Mais où on est en train de partir? C'est la toile, tout le monde connaît ma femme. Non, je suis marié. Voilà, tranquille. Moi, c'est fini. C'est fini. Voilà. Non, moi, mais je fais l'œuvre de l'éternel. Comment la foudre va tomber sur moi? Moi, je suis plus dans les trucs. L'œuvre de l'éternel, elle vous donne sur toi. Non, voilà, non, 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 non. L'éternel des amis, lui, il en sait quelque chose. Dieu ne regarde pas les bouts d'oreilles. C'est son pasteur. Non, il connaît. Il en sait quelque chose. C'est la foi. La détermination. Et puis, tu vois, non, la compréhension. Tu vois, non, ne faites pas rentrer dans le spirituel mais ici. Mais avec l'éternel des amis, là, on a su qui on est et qui avec qui on est. Depuis que vous m'avez posé des questions, moi, j'ai dribblé quelque chose. Je vais te poser une question, tu as combien d'enfants, tu n'as pas répondu. Quand tu veux réunir tes enfants devant l'éternel. Il y a 4. Okay. Combien de filles, combien de garçons? Il y a une fille, 3 garçons. Okay. Tu as parlé là, est-ce que tu es mort? C'est pas tout. Okay. Elle a combien de filles, toutes les mêmes enfants, les mêmes mamans? Non, les mamans sont vivants. Non, c'est que si la maman vit, la maman. Mimi, arrêtez ça. Non, arrêtez ça. Alors, Julie, en fait, c'est que je vais dire si vous avez dit que c'est 4, si c'est 5, c'est que l'on vient d'avoir des filles. Non, il ne peut pas, il ne peut pas. Bien sûr, quand tu as compté, au calme, c'est 4. Non, c'est 4, c'est tranquille. Alors, nous savons qu'on a vu ta belle famille être humiliée. Comment ça? Consoler. Non, vous savez. Non, non, vous savez, le football, c'est quelque chose où on ne met pas l'organisme. Tu vois, non, c'est le football. Ils sont venus visiter un peu la Côte d'Ivoire. Le séjour est fini. Il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils rentrent. C'est tranquille. Donc, nous, on les accompagne à rentrer. Mais c'est pas. Non, je leur dis juste que donc, viens visiter la Côte d'Ivoire et puis après ça, tu rentres. Non, c'est ce que tu as dit à la même ton enfant camerounais. Non, non, non. Non, non, non. C'est ce qu'il a dit à ceux qui sont camerounais. Non, mais elle, tu l'as consolé comment? Non, il lui a dit que c'est le football, il ne faut pas qu'elle voilà, même l'organise. Au téléphone, mais tu es allé là-bas? Non, c'est au téléphone. Avec elle, tu fais un quoi, bébé? Non. Mon cœur? Il lui a dit, Chakala, pas que tu te fâches, c'est le football, c'est fini. Non, ma femme, en fait, le problème, c'est que vous ne savez pas ma femme. Mm-hmm. Ma femme, c'est une personne, vraiment, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, ça ne l'intéresse pas. Le passé, mon passé. Ton mon passé. Donc, quand tu vas ce qui voir... intéresse ma femme, c'est le présent. Donc, quand tu vas voir la camerounaise, elle n'a jamais, jamais empêché mes enfants. Attends. Elle n'a jamais empêché que je ne voie pas mes enfants. Elle, tu la laisses ici. Tu vas jusqu'à Monaco pour aller voir la camerounaise. Hein? Je ne suis pas allé voir la camerounaise, je suis allé voir mon enfant. Donc, tu vas voir l'enfant sans voir ta maman. Non, mais. C'est que elle est camerounaise. Donc, non, c'est une camerounaise. C'est elle qui vit à Monaco. Donc, quand tu vas voir l'enfant, elle, tu ne la vois pas. Mais c'est normal que. Ça peut de la revoir pour ne pas réveiller les sensations. Non, ça peut même pas se réveiller. Non, il y a un chez moi. Alors, Bonjour, c'est la carte de l'hospitalité organisée par la Côte d'Ivoire et l'engouement dans le pays. On a même reçu ici pour parler des débuts, tout et tout. Aujourd'hui, quand vous avez chez moi le parcours de nos partenaires, de là où ils viennent, parce qu'ils ont été éliminés à Abidjan. Répétition, on va dire à Saint-Pédou, qualité à Yamoukoko, maintenant on s'en va à Boaké, avec tous ces épreuves, tout ce qu'ils ont traversé. Quel est ton avis sur ce parcours de cette carrière, ce partenaire? On n'a vraiment pas compris tout ça. Bon, à ma connaissance de réflexion, tu sais, moi, je ne suis pas politicien football, bien sûr. Mais je m'appare aussi en tant qu'un Ivoirien. Voilà, quand tu vois des choses, souvent, parfois, il faut parler. Et moi, je pense que ce qui est en train d'arriver aux éléphants, il y a aussi quand même une pression. Hein. Voilà. Et puis aussi la marmaille, comme au jargon. Non, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que, regarde, il y a la télévision que tu regardes. Mais ce qui te permet de regarder la télévision, ce qui est en bas là, tu ne sais pas comment ça commence. Et puis tu regardes ces acteurs-là. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, parfois, souvent, on peut être en colère parce que nous sommes des supporters. Mais parfois aussi, on doit prier aussi l'éternel aussi pour les Ivoiriens, pour les footballeurs, parce qu'il y a beaucoup de pression sur eux qui peut leur donner même un AVC. Il y a beaucoup de choses, quand ils sont ensemble, c'est pas franchement qu'ils s'aiment. Mais c'est pour une patrie qu'ils sont là, mais peut-être qu'il y a des jalousies qui sont vraiment... on peut pas... Voilà, des choses qu'on ne maîtrise pas, mais nous on est un peu fâchés parce que nous on s'est dit que non, que voilà...
Les Ivoiriens doivent jouer pour gagner. Oui. Mais quand elles doivent jouer pour gagner, là, nous, la patrie, on doit aussi être solidaire, aussi à les supporter. Même souvent, même quand elles trébuchent, on doit être présent à les soulever. Okay. Alors, tu vois. Par exemple, des personnes qui disent que le président Diallo, il doit démissionner pour qu'il soit encore en plein. Bon, en fait, Monsieur Idriss Diallo, en fait, c'est quelqu'un que j'entends parler de lui, mais je ne le connais pas parfaitement. Je ne suis pas aussi un politicien, je ne cherche pas aussi à défendre quelqu'un. Parce que, en fait, le problème est que c'est quoi? Il ne faut pas qu'on se voit la face. Hein. Parce qu'on dit à des gens, quand ils vont regarder peut-être l'émission, ils vont dire que toi, Poncho, tu parles de quoi? Non, il ne faut pas juger quelqu'un qui traverse des choses que toi, tu n'as pas vues. Okay. Est-ce que tu comprends? Voilà. Je veux dire. Et là, ils ont amené un chose qu'on appelle un blanc. Un blanc, oui. Ok. Ça, c'est pas les Idriss Diallo. C'est le peuple qui s'est levé. Et puis lui, il a fait un ras-de-bol. Et ils ont pris notre frère. Mais quand j'étais en train de regarder le match, Mimi, quand j'étais en train de regarder le match, ceux qui étaient derrière moi, quand j'étais en train de regarder le match, on dit, voici encore les mêmes bêtises d'Idriss Diallo. Mais à la fin, vous voulez quoi? Le début du match, on dit maintenant qu'ils ont pris encore faillé. C'est quand ils n'ont qu'à prendre l'autre blanc là, comment il s'appelle? Maintenant, finalement, vous voulez quoi à la fin? Si on veut prendre notre frère, vous les mêmes Ivoiriens là, c'est vous qui dites qu'ils n'ont qu'à courant. On n'a qu'à prendre blanc. Mais quand on prend blanc, c'est vous encore vous dites que. Mais, donc finalement, quand tu vois qu'il y a des paroles comme ça, il faut éviter d'indexer les gens. Laisse Dieu faire son travail pour que toi tu puisses voir l'heure où ça quitte. Sinon, tu vas te lever quoi pour parler demain, tu peux avoir honte. Mais voilà, c'est aujourd'hui là. Quand ils ont marqué but là, ça a changé de rien. Que Idriss, c'est un bon président. On peut changer de bouche. Voilà pourquoi il ne faut pas vite parler. Voilà pourquoi il faut éviter de vite parler. Voilà souvent quand il dit que quand tu veux critiquer les gens, il faut avoir des preuves. Moi, quand je regarde le mouvement vieux, c'est une pression que sur le monsieur. Voilà, ce qu'on doit faire, c'est de prier pour que cette couple-là reste dans ce pays. Et puis maintenant, après les détails, on peut les faire en famille. Okay. Mais là, il y a une pression où on ne peut pas regarder peut-être Kalou pour le gifler. Oui, c'est une personnalité. Hein? Hein? Vous cassez les bus, tout ça là. Non, Dieu, tu sais, parfois voilà pourquoi nous les influenceurs, on doit nous récompenser. Maman, oui. C'est notre salaire. C'est notre travail. Nous sommes la voix des sans voix. Ces gens de cas là, c'est nous, on parle de ça. Et puis maintenant, nous, on nous récompense. Mais comme les Ivoiriens qui sont dans la fédération sont méchants, veulent récompenser les gens qui connaissent et ignorer ceux qui connaissent leur travail. Voilà pourquoi ces gens de trucs vont arriver. Sinon, on ne gère pas une autorité comme ça, mais une personnalité d'un pays qui a joué le football pendant combien d'années. Moi, les histoires de Didier Drogba là. Vous voyez pourquoi Didier Drogba me plaît. Il a fait la sympathique du silence. C'est le silence qui fait son travail en ce moment. Est-ce que vous l'avez déjà vu une fois en train de faire un poste pour dire que non, que courant. Laissez parfois aussi Dieu faire votre travail. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous m'avez déjà vu faire un poste pour parler de Idriss Diallo? Ce n'est pas déjà mon égal. C'est un grand frère. Et puis c'est un aîné. Voilà. Si peut-être que le grand frère fait des erreurs, nous là, on peut peut-être faire des vidéos pour interpeller le grand frère pour qu'il rectifie ses erreurs. Mais aller jusqu'à toucher déjà même ça. Tu vois, vous voyez? Bon, tu vois, souvent aussi, quand tu vas vouloir aussi faire des vidéos, ils vont dire que non, qu'on t'a donné de l'argent, voilà pourquoi tu prends un parti pris, voilà pourquoi vous ne me voyez pas faire des vidéos. Moi, je m'arrête que sur mes sketchs et les actualités de mon pays. Sinon, vieux, quand moi, je regarde le mouvement là, on n'a qu'à prier Dieu. Sinon, ce qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire, c'est la marmaille et la mauvaise manière d'être ensemble. Tu vois, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Ah, voilà pourquoi. Tu as ta femme le rôle à jouer dans cette histoire. Que tu le veux ou non. Dans l'analyse, on est dans l'analyse des choses. Il peut aussi se trouver qu'il y ait des personnes aussi qui manipulent en bas. Mais c'est ce qu'on appelle la maman. Sinon, quand M. Idriss Diallo a fait venir un coach, non? Hein? Le coach, il a fait un travail. Lui, il a fait son travail. Son travail n'est pas zo. Ou bien, on l'a mis dehors. On a pris nos frères. Nos frères, ballon n'a même pas encore commencé. Ils ont commencé encore. Voilà le travail d'Idriss Diallo encore. Il a pris Faye et Metz. Voilà. Mais quand Côte d'Ivoire gagne là, on n'a plus parlé. Mais quand Côte d'Ivoire gagne, encouragez aussi le geste qu'il a fait. Parce que, non, Dieu, c'est. Non, tu sais, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais quand quelqu'un rectifie une erreur.
Quand quelqu'un rectifie une erreur, il est en train de se battre pour faire plaisir à une nation, même si tu es son sorcier. Il faut quand même applaudir pour le travail que les éléphants ont fait. Vieux, ce n'est pas un petit travail. Vous ne regardez, ne soyez pas chez vous à la maison, vous regardez la télévision et puis vous jugez les gens. Les enfants, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Voilà, aujourd'hui, là, c'est devenu comme c'est 31, vous êtes en train de fêter dans la rue. La rue était gâtée de joie. Mais quand c'est comme ça, là, prenez votre téléphone aussi pour dire que donc, félicitations, monsieur Idriss, félicitations à tous ceux qui ont cadré les joueurs. Quand c'est comme ça, vieux, quand c'est comme ça, il y a l'émotion, il y a le courage, il y a la volonté, et puis on avance. Mais quand toujours on doit faire des choses, tu vois, ne soyez pas étonnés si on perd cette coupe-là, parce que. Non, on ne perdra pas cette coupe-là. Non, c'est une manière de dire que donc, vieux père. Là, non, écoutez, c'est le français que je parle. J'ai dit. Le pasteur même qui prie pour toi, là, si tant que tu ne te confesses pas, là, la bénédiction arrive comme devant le Seigneur. Parce que tu ne peux pas venir comme ça et puis tu dis on prie pour toi, mais toi-même, là, tu veux quoi? Qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu pour que ta prière arrive là-bas? Tu ne peux pas venir, bon, on prie pour tout le monde, tombe, toi, tu ne tombes pas. Faut essayer toi aussi de te revoir. Oui, 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 oui. Non, mais c'est on est en train de parler. Comme toi, tu voulais envoyer à faire la loi, là. Comme toi, tu voulais envoyer à faire la loi, là. Ça coûte. Moi, je tombe très mal. Oui, 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 je tombe très mal. Tu sais, on n'attaque pas un fou, on attaque que les intègres, que des gens à venir. Donc si je tombe, sûrement que les démons sont en train de me combattre, ils veulent peut-être gâter ma carrière. Voilà pourquoi moi je dois tomber pour que le pasteur prie pour moi, pour que ces démons-là quittent en moi. Bon, mais c'est ça de valer. Toi, tu vois ça encore. C'est pas que je viens à l'église et puis je tombe. C'est des prières qui sont fortes qui me font tomber. Voilà, parce que Dieu veut me délivrer de ceux qui sont pas. Qui ne sont pas ouais, si elle me blesse, vieux. Si elle me blesse, c'est pas bon. Ouais. Non, cette histoire, on a déjà parlé de ça. Non, c'est pas ma camarade. M'excuser de quoi? Je lui ai dit quoi de mauvais? Je lui ai dit quoi de mauvais? Moi, il y a quelque chose que moi, vous ne comprenez pas. Quand on finit de payer, les gens cherchent, et puis maintenant, il y a des difficultés qui arrivent dans notre pays. Là. Les personnes à qui ils ont donné beaucoup d'argent, elles peuvent se lever aussi pour parler. Ou bien. Tu l'as effrayé, elle ne peut pas faire vidéo. Ah, moi, elle n'est pas effrayée. Moi, c'est mon mécontentement. Non, tu l'as pas fait. Moi, je vous ai dit que non, que je suis la voix des 100 voix. Voilà. Non, non, je ne l'ai pas effrayé. J'ai juste dit que non, que dans la vie, on n'a qu'à respecter le travail de chacun. Oh ben mon Dieu. Ah voilà. Alors, mais pourquoi le père d'Aloa, on ne voit plus de vous. Non, en fait, le père d'Aloa. Oui, 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 non. Ouais, il était convalescent, donc c'est maintenant qu'il voilà, c'est maintenant qu'il est en train de. Voilà, il est opéré, tu vois, non? Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, ça va. Non, il a mis pause un peu, il se repose. Parce que je veux pas, souvent dans le travail, il faut se reposer. Non, oui, même la mosquée, on ferme la mosquée pour les travaux. Depuis l'argent que tu gagnes avec le roi de l'action, fais quoi? Moi, ce monsieur-là même, là, vous n'allez pas le laisser un peu tranquille. Non, moi, je ne sais pas de l'argent du bon monsieur. Parce que, ça dit que chaque fois que vous allez m'inviter, vous allez parler. Il y a des gens aussi qui me donnent l'argent aussi. Tu fais quoi de l'argent que ce monsieur te donne? Ah. Et puis deux jours, on n'a pas vu le père, il a fait que passer. Deux jours là. Il est venu deux jours là. Il est venu récemment. Il n'a pas tout vu à côté. Non, j'étais là. Mais il me cache. Il me cache pas, j'étais là. Non, je me reproche rien. Je me reproche rien, j'étais là, je suis même allé travailler sur lui. J'étais là. Quoi? Ouais. Non, je ne suis pas Alpha Blondie. Non, je suis pas Alpha Blondie pour donner pour recevoir. Ah. Non, le père, lui sait ce que lui doit faire. Lui sait ce que lui doit faire. Je vous ai déjà dit ici que ce n'est pas l'argent qui nous lit. Hein? L'argent qui me donne. Non, l'argent qui me donne. Oui. Voilà. Tu vieux. C'est le marketing. Voilà, avancement. Mais ton amitié avec qui est-ce que là, bizarrement, braque, cœur brisé. Quand vous vous appelez ensemble, vous savez comment faire, mouvement. Non, mon amitié, qu'est-ce que c'est pas cœur brisé, hein? Chacun a pris son élan parce que, maman, toi-même, tu vois, voilà, on doit se chercher. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Donc, vous avez sorti, là, non, on a fait un petit truc pour égayer un peu, là, tu vois, non.
la génération future. Mais j'ai vu que non, que ça a donné. Donc lui, il a continué. Voilà. Non, moi, j'ai pas arrêté. Moi aussi, dans mes... je vous ai déjà dit que je suis un comédien, acteur, influenceur, businesseur. Attends, tu vas. Bon, businesseur, acteur, tu n'as jamais pris des enfants. Hein? Non, moi, tu sais, je n'ai plus besoin qu'on me déconne en Côte d'Ivoire. Moi, si on me. Déjà été décoré. Non, c'est ce que j'ai dit là, parce que ici, si la médiocrité a tout le pouvoir, comment toi, on te déconne? C'est qui tu sais de médiocrité? Qui fait ta médiocrité? Non, je suis en train de te dire que non, que tu dis, est-ce que j'étais déjà décoré? Ben je suis oui. Dit que non, que si la médiocrité a pris chose, le pouvoir, toi qui fais ton travail, toi on te voit ou puis on te décore. Mais la médiocrité, là, tu peux donner des noms? Non, 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 mon vieux, moi je ne suis pas venu pour dire non de quelqu'un ici. Ah, maintenant tu as peur de dire non. Non, c'est pas ça. Moi, je n'ai même pas peur de quelqu'un. Mais il a dit que. Non, non, il a dit que la médiocrité. Ce que les noms, il a dit la même là, ils vont me servir à quoi? C'est pas que le gâteau. Quand il a dit ton nom là, toi tu vas avoir plus d'audience. Moi, il garde mes audiences pour moi. Mais allons avec la médiocrité, c'est-à-dire a pris le pouvoir. Donc ceux qui connaissent leur travail là, qui ne sont pas décorés, ça ne veut pas dire que non, que voilà, c'est les derniers de la classe ou bien ils sont inutiles ou bien je ne sais pas. Sinon, Dieu, toi tu connais Pancho le Gâté. Voilà, toi aussi tu connais Pancho le Gâté. Je connais. Donc voilà, si toi tu connais Pancho le Gâté et que Pancho le Gâté est international, aujourd'hui on ne doit même plus parler parce qu'il est devenu comme un passeport diplomatique. Moi, je viens m'asseoir ici là pour venir. Pardon? Il n'est pas besoin qu'on me décore. Si j'étais déjà décoré par le Saint-Esprit, le reste, là, c'est ce que je vous ai dit toujours. Si vous, les êtres humains, vous m'avez apprécié que Dieu m'a choisi, moi, je viens faire quel featuring avec vous. Moi, ah, il a dit, si j'ai été créé par l'image de l'Éternel, et que l'image de l'Éternel m'a apprécié que Dieu me choisit, moi, je cherche quelle décoration avec vous. Hein? Hein, mais oui. Donc, c'est pas que le gâteau, la voix de sans voix. Voilà, les 26 lettres de l'alphabet, c'est moi qui l'ai fait sortir ça de ma bouche. Mais et si... Oui, oui, oui. Mais depuis, on est en train de causer là, il y a A, il y a C, il y a B, il y a C, c'est tout ça qu'on appelle les 26 lettres. Tout ça là, tout français qu'on est en train de parler, les mouvements qui savent parler, me posent des questions, il y a Z qui est dedans, il y a E, il y a I. C'est tout ça qui fait les 26 lettres de l'alphabet. Ça, c'est un nouveau dogme. Prenez. Toujours. Alors, où tu es aujourd'hui avec ta carrière? Je peux, moi ici dans mon petit chemin, je suis en train d'avancer dans mon petit chemin. La politique de la sorcellerie, de l'hypocrisie et de fumisme, je n'ai rien à foutre. Moi, mon petit chemin que je suis en train de traverser, celui qui connaît ma valeur va me prendre au carrefour là-bas. On va faire un partenariat, on va avancer. Parce que les choses que, où tu dois donner beaucoup de sacrifices, ce n'est pas qu'on a qu'à savoir que tu es humain là. Moi, il ne rentre pas dedans. Je ne cherche pas le nom aussi. Moi, je cherche des personnes qui connaissent la qualité de ton travail, qui vont te pousser pour aller de l'avant. Pas, je ne cherche pas les gens qui vont t'utiliser et te laisser. Bien, non, moi, je suis venu ici, là, c'est moi, vous m'avez invité. Vous n'avez pas invité Kérosène. Mais quand on voit beaucoup. Kérosène, c'est un frère à moi. Non, c'est pas. C'est ce que je vous dis. Kérosène, c'est un frère. Je ne sais pas comment il est expliqué. C'est un frère. Donc, que Dieu le protège. Si tout le monde pouvait avoir ce genre de pensée-là. Mais ces gens de force à pouvoir peut-être aider aussi des gens qui n'arrivent pas peut-être à joindre les deux bouts. Peut-être que je pense que nous tous, on aurait pu s'en sortir. Sinon, qui résonne, au passage, je te salue vraiment, que Dieu te bénisse. Voilà, on est ensemble. Il t'a nourri, non? Non, qui résonne ne peut pas me nourrir. Yeah. Toi, tu connais ce qu'on appelle nourrir quelqu'un? J'ai posé une question. Quand on nourrit quelqu'un, on commence de zéro jusqu'à ton âge. Voilà. Où est-ce que je suis dans la trentaine. Voilà. Il y a quatre enfants. Tu peux me nourrir? Il m'a soutenu. Il m'a aidé dans beaucoup de choses. Mais me nourrir, c'est trop fort. On nourrit un enfant qui vient de naître. On nourrit pas un âgé. Toi, tu peux me nourrir? Non, quand vous posez des questions, là, posez très bien les questions. Voilà, parce que quand vous finissez de poser les questions, puis l'émission finit là, les commentaires, vous n'êtes pas là. Toi, tu connais ce qu'on appelle nourrir quelqu'un? Moi, je me nourris, puis moi, je nourris les gens. Faut éviter. Faut t'excuser. Faut t'excuser. Voilà, il m'a nourri comment? Il m'a nourri comment? Tu as porté couche comme un enfant, bonjour. Je vous ai déjà dit que non, que si moi je porte couche, c'est pas je suis comédien. Que Kérosène t'a nourri. Kérosène, c'est mon ami. Mais qu'est-ce que tu veux là? Non, ça c'est un comédien. Non, Tétina, ça sort quand il y a l'argent. Tu n'es pas reconnaissant, bonjour. Pourquoi? Tu n'es pas reconnaissant. Mimi, pourquoi je ne suis pas reconnaissant? Le gars t'a nourri. Il t'a aidé. Qui m'a nourri? On te voyait avant, c'était au bruit, il t'a fait, on te voyait dans tous tes clips. Qui ça? Je n'ai pas le non, non, vous voyez. Il m'a aidé. Mais voilà, maintenant,
Revenons à notre mission. Mais revenez à quoi, hein? Non, 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 doucement. Parce que, regardez, vous savez que donc, on a beaucoup de personnes qui sont illettrées, parmi les gens qui viennent commenter nos trucs, qui prennent des choses comme si c'était la réalité qu'ils sont en train de voir. Non, 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 non. Non, je n'ai pas dit que mes fans sont... Non, écoutez, écoutez le français qu'ils sont en train de parler. Non, je ne parle pas de mes fans. Comme, il y a beaucoup de personnes qui sont illettrées, qui prennent des choses comme si on dirait que c'est la réalité qu'ils sont en train de regarder. Je n'ai pas dit que mes fans sont illettrées. Quand tu me dis que non, que je ne suis pas reconnaissant, que Kérésène a fait ça, qu'il a fait ça, il dit que non, ne dis pas ça, parce que Kérésène ne peut pas me nourrir. On nourrit un enfant qui vient à peine de naître. Kérésène m'a soutenu dans beaucoup de choses que j'ai traversées. Et puis, je n'étais pas à l'oubliette. Moi, je ne peux jamais t'oublier. Regarde, ne confondez pas la rapidité avec l'endurance. Depuis autant que tu me connaissais dans le milieu de showbiz, tu es revenu me trouver ici, là. Ceux qui sont oubliés, là, tu les as bien invités ici. C'est pas ici de la tendance. Ceux qui sont oubliés, là, est-ce que tu les as déjà invités ici? Ah, d'accord. Tu non, moi, je vais m'oublier. Même si... Non, voilà. C'est que c'est de toi qui veux parler de Didier Léo. Parce qu'il ne faut pas faire sortir quelque chose. Non. Hein? Didier Léo dort. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu dormir. Après le vidéo, on dit qu'il croit demander après les lapins, là, il dit, lui, il dort, lui. Mais on dit, là, lui, il fait lui-même, là. Son sommeil, il rompt lui-même. Mais est-ce que toi et Mimi, vous avez assisté une fois où Didier Léo est en train de dormir? Mais s'ils ne sont pas les fonds de dort. Non, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas qu'ils dorment. Mais c'est ce qu'il a dit des autres. Non, mais c'est qu'il est en train de faire d'autres choses. Comme quoi? Donc ici en Côte d'Ivoire, quand vous voyez plus les artistes, ils ne... Non. Yeah, Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi moi j'ai parlé de la médiocrité, parce que c'est le buzz ici qui fonctionne. Parce que les gens, ils ont reculé un peu pour mieux sauter, vous trouvez que non, que ils dorment. Est-ce que nous avons contribué à beaucoup de buzz des gens instantanés? Buzz. Non, vous avez, autant vous avez parlé comme ça de Didi B, que non, que Didi B, il ne mousse pas, c'est tant, tant, tant. Oh, Didi B, c'est arrivé. Mon frère, ah, donc les mêmes gens qui sont sur les réseaux sociaux là. Voilà. Non, moi je dépasse un peu Didi B. Moi je dépasse Didi B. Moi 1m75, moi je dépasse Didi B. C'est vrai que son là est beaucoup que pour moi, mais moi il le dépasse. Moi je dépasse Didi B. Moi je peux parier 100 000, 100 000 euros, moi je dépasse Didi B. Ah, vous aussi, moi je suis pas un nain. Pardon. Ah. Didi B lui-même, il sait ça, mon frère, dans lui-même, il sait ça. C'est que moi, il le dépasse juste un peu. Ah, moi, je sais pas, mais moi, il le dépasse. Sinon, mais c'est que si Didi B allait là, me dépasser, que son langue commence à s'enfler. T'as rapport avec Didi B, qu'est-ce qu'il en a? C'est mon meilleur ami. Voilà. Mais Bravado, c'est mon meilleur ami. Non, Bravado est dans ses business. Non, c'est lui qui a bouffé là de Paul le riche. Moi, j'ai fait le travail de Paul le riche. Ne confondez pas, quand vous ne connaissez pas des choses, demandez. Mais lui, il a fait la réalité, la vie est en la. Bravado ne peut pas dire ça de moi. Il sait que moi, je suis un homme honnête. Non, moi, je n'ai pas bouffé là de Paul le riche. Voilà, j'ai fait le travail de Paul le riche. Bravado a bouffé l'argent de Paul le riche. Donc toi, Bravado a bouffé l'argent. Mais vous voyez la voiture que Bravado roule là, il roule une voiture de 17 millions, non? Moi, je ne sais pas si ça, tu connais la somme. Voilà, oui, il dit, le vieux père, il passe tout de suite devant chez toi, non? Voilà. Moi, il roule. L'argent que le roi te donne, tu ne peux pas acheter tes lèvres, tu ne peux pas construire une maison, tu ne peux pas payer une voiture. Bonne chose, tu ne peux pas l'argent de dessus. Voilà, vous voyez, non? Moi, je ne vais pas rentrer dans ça parce que nous sommes en direct. Il n'est pas venu exposer. Non. Moi, je vous ai dit que non, que je suis un enfant très intelligent. Moi-même, il y a un gars venu m'asseoir ici pour dire que non, qu'il y a voiture, il y a terrain, il y a quoi, quoi, quoi. Il n'y a rien. Je suis pancho de gâté. Mon âge se trouve avec vous. Voilà. L'homme qui connaît, connaît. au passage, je salue mon épouse. Ouais. Ouais, ouais, bébé Gladys. La maman de Yo-Yo. La maman de Yo-Yo qui accepte que quand tu ailles au Cameroun, à Monaco pour voir la Camerounaise. Non, mais elle n'a pas de problème avec ça. De pas. C'est ça, mon Dieu. Alors, quand tu veux que tu te battes des toits à ta fin, nous, on a toujours. En fait, quand tu sais que tu me fais, tu es content, on est joyeux. Parce que tu parles, tu dis que tu penses. Donc, tu n'es pas dans les émotions. Mais mon vieux. Dans la vie, quand quelqu'un dit ce qu'il pense, que c'est parce qu'il n'est pas hypocrite, tu vois, non? Voilà. Mais oui! Même les enfants qui n'ont pas le colis, ils disent que c'est pas le colis, là, c'est tout, en tout cas.
Ah, le roi là, son âme là, c'est pas moi, c'est pas dans ce pays là, on est beaucoup, hein. C'est pas elle. Ah, c'est pas elle, c'est pourquoi il a commencé à mettre caméra sur d'autres, tu vois, non, mais c'est nous, non, qui est gâté, sinon on est beaucoup, hein. Ah, on est beaucoup. Ah, sinon il a croisé d'autres là-bas, hein. Ils disent qu'ils étaient des passants, ils sont venus saluer le roi. Sinon, ils n'habitent pas le quartier. Ah. Mais comment vous pouvez passer là-bas? Vous n'habitez pas un quartier, mais vous passez, vous êtes des passants. Voilà pourquoi on a décalé la porte. Maintenant, quand vous rentrez là, ne faites pas comme si on dirait que vous aussi, vous n'êtes pas des mendiants. Vous êtes derrière là-bas maintenant pour dire que non, que quand les gens commentent, vous commentez aussi. C'est ça, là. Quand c'est gâté, là, reconnaissez que c'est gâté pour nous tous. Ne vous protégez pas. Sinon, si on veut citer les noms de ceux qu'on a vus là-bas. Oui? Non, pardon. On a qu'à avancer comme un pardon. C'est que maintenant, pays là où on est arrivé, là, c'est convocation, on t'envoie prison. Convocation, prison. Ah, c'est eux qui ont les bras longs. Non. Souvent, c'est vrai, non? Mais tu connais. Donc, pardon. Non, mais le roi, souvent, tu vois, bon, tu sais, le roi n'aime pas trop les mouvements des caméras aussi, tu vois, non, c'est ça. Sinon, pour le soulever, pour la main. Non. Quand tu poses tout devant lui, c'est ma caméra. En la même. Tu sais, maman, il va t'expliquer que je m'y mets, tu sais. Regarde, ce que tu vois là, c'est que le blanc fabriqué que tu vois là, la caméra que tu vois là, c'est mystique. C'est pas tout le monde qui se place comment pour pouvoir s'exprimer. Caméra qui là n'a rien à voir avec le téléphone. Si tu as envie de parler quelque chose, que le peuple doit t'écouter, que tu viens te placer devant ça là, tu peux oublier. Il faut être initié d'abord pour pouvoir venir te mettre là devant une caméra pour voir. Non, pas trop le gâté. Non, non, je te dis que non, qui a noté, je suis dans le métier. Voilà. Mimi, arrête ça. Tu veux m'envoyer. Tu veux m'envoyer vous. Toi, arrête ça. Ah, Dieu merci, elle a décalé moi beauté. Bonjour. Il y a même pas chien, pas chien. Ah, quoi. C'est quand papa de Pancho, c'est ce que tu veux, normalement, il te donne ça. Ah, mais comment lui parle ça? C'est que si lui parle ça, c'est que souvent vous parlez de ça. Ah. Si ça dévalait, c'est pas un enfant. Si tu as parlé de ça, c'est que souvent là, tu parles de ça. Que non, que Pancho, c'est un pain. Moi, pas t'amuser, moi. Moi, mon côté sauvage. Non, si tu t'es amusé, si tu t'es amusé, tu serais étonné. Jamais. Eh, hey, maman, là, gars. Mimi, tu connais. C'est le pain crucien qui est là. Ça ne chauffe pas. Aïe. Moi, peut-être, tu as des idées devant toi. Il y a des idées beaucoup pour moi. Donc, là, tu vois. Non, mais les talentueux, hein, c'est un niveau 1 qui fait la fierté. Hein. Ouais, moi, franchement, moi, je félicite ça. Moi, je félicite ça. Bon voilà mon message de mot de fin, faut qu'on soit unis, faut qu'on soit solidaires pour qu'on puisse bâtir un bon pays, tu vois, non? Parce que vous voyez la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays, vous voyez quand on voyage comme ça là, c'est à travers les noms des gens qu'on nous reçoit, Didier Drogba, Alpha Blondie, Magie System, c'est parce qu'ils ont fait des choses qui sont bien. Qu'aujourd'hui, quand on arrive dans un pays, on dit que non, je viens du pays des Alpha Blondie, je viens du pays des choses qu'on appelle Maïs System, je viens du pays des Didier Drogba. C'est parce que ces grands frères, ils ont fait des choses qui sont bien. Non, quand nous, là, quand on a fait des choses qui sont bien, pourquoi maintenant on veut se lancer des pierres? Donc, tu vois, non, c'est dans l'ensemble qu'on est fort. Mais c'est pas qu'on est dispersé qu'on doit être fort. Si l'argent doit nous disperser, c'est qu'on va perdre notre pays. Voilà. Donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Soyons unis pour être forts. Que Dieu bénisse la patrie et le drapeau orange, blanc. Non, ouais, vert. Non, hein, mon vieux. Non, c'est parti quoi. Et elle a protégé en bas. Alors, notre émission qui l'a tapé, vidéo partout, c'est une soutien depuis les 4 coins du monde, bien sûr, n'oubliez pas, pas la meilleure solution locale du Côte d'Ivoire.